Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de notre série documentaire Histoire et Devoirs de mémoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par le colonel Claude Yedet à son domicile de Tours, à quelques minutes de la base aérienne. Merci Claude de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Claude, à quel moment t'es-tu intéressé à l'aéronautique Très jeune très jeune euh, avant ma première communion puisque en première communion j'étais habillé à, dans un habit euh, de l'armée de l'air canadienne et puis j'ai toujours aimé euh, je faisais des, petites, euh, des petits avions avec des du bois provenant des boîtes de camembert <laughs> j'avais des petits avions qu'on lançait avec un caoutchouc et puis, et puis voilà donc euh, la guerre est arrivée, on était, on, on était à Metz, on était expulsé, on s'est retrouvé dans la Meuse, j'étais à côté du terrain de Saint-Dizier. Et là je voyais passer les avions allemands. J'étais tout à fait heureux et puis, et puis j'ai continué. J'ai fait mes études jusqu'au brevet élémentaire. Là on est revenu à Metz puisque la guerre était finie. Et puis là, ben, toujours intéressé par l'aviation, mes parents ont logé chez moi, parce que c'était obligé, on avait une, une chambre de libre, de loger un officier, et je, je, suis, je suis tombé sur un lieutenant pilote de P-47. Alors, euh, des discussions <laughs> très, très sympathiques et tout. Et puis après, je me suis inscrit au club de vol à voile. Et là, j'ai commencé à faire du planeur, euh, sur le C-800, puis après quelques petits monoplaces. Et puis, là, toujours Fanal, l'âge arrivant, j'ai voulu avec un camarade m'engager dans l'armée de l'air comme pilote. Reçu, pas de problème, les pilotes, vous faites un dossier, on fait le dossier, on vole à l'aéroclub et tout, et puis deux mois, trois mois après, on nous rappelle en disant, vous savez, les pilotes... Tous ceux de la guerre et tout, ils sont dans le civil maintenant, on n'en veut plus, puis on n'a pas d'avion. Par contre, si vous voulez rester dans l'armée d'air, on a besoin de mécaniciens. J'ai dit OK, on a signé notre petit papier comme mécanicien. Et puis, quelques temps après, je ne me rappelle plus, euh, on a reçu un papier, chacun, comme quoi il fallait se rendre à Nancy pour signer son contrat et puis débuter euh, dans l'armée de l'air. On est parti à Nancy, on est resté trois jours, on était dans une caserne, c'était en hiver, en novembre, une caserne au premier étage dans une chambre où il y avait une vingtaine de lits mais il n'y avait plus de carreaux. La couverture elle pesait 15 kilos mais elle ne chauffait pas du tout. Donc on avait mis nos affaires et l'imperméable par-dessus pour ne pas avoir froid. Et puis de là, on est parti euh, pour aller à Olna. Mais c'était le moment des grèves. Donc, euh, au lieu de prendre le train, on a pris un gros camion pour aller sur Olna. Et puis, bon, on est arrivé à Olna. Alors là, on a découvert la base d'Olna de ce temps-là, qui était dans les, des décombres, euh, des vieux bâtiments. Euh, on était dans des chambrées de. de une vingtaine, avec des lits doubles, et toutes les semaines, celui d'en haut, il tombait en bas. On avait des poils mais il n'y avait rien pour mettre dedans, sauf du pain pour attraper les rats. Après, il fallait les tuer, mais il y en avait un qui était très doué pour ce genre de choses. On mangeait très mal, on était dans la gadoue, il n'y avait pas de WC, c'était dehors, euh, sur des planches, on avait juste un petit filet d'eau pour se laver les dents. Toutes les semaines, on allait en ville, aux douches municipales pour prendre une douche. Mais comme le temps était limité, il fallait se retrouver deux à trois par cabine pour arriver à se laver. Et puis on rentrait, puis voilà. Et puis théoriquement, j'aurais dû faire trois mois de Holna et trois mois de préparation pour Rochefort. Un coup de chance, je me suis retrouvé à Rochefort. Alors là, euh, ça a été le, le paradis parce qu'on trouvait des bâtiments durs et tout. On n'avait pas de chauffage. Genre, si on avait un poêle, mais pas d'eau chaude. WC en commun, une chambre. On était huit par chambre. Le seul problème, c'est que les premiers, la, le, le matelas était en paille avec des petites bêtes dedans. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont tout changé. Euh, puis bon, bah, on a suivi des cours pendant un an et demi, très sympathiques, très intéressants. Euh, un peu froid, mais enfin, on faisait des cours dans les hangars à ballon, donc à tout vent. Quand on faisait tourner les moteurs pour trouver les pannes et tout, c'était en plein air. Pas beaucoup habillé. On mangeait correctement. Et là, j'ai passé mon brevet de mécanicien. J'ai été reçu, premier de major de promo. Je me suis donc resté comme moniteur sur Pratt Whitney. Et puis là, trois mois après, un, un petit message. Alors, je, pour passer le temps, je faisais quand même de l'aéroclub, aéroclub qui était très sympathique, le chef pilote, monsieur, je me rappelle plus son nom, il m'avait sous sa coupole et je, je, je volais à outrance, je faisais des choses qu'on ne peut plus faire maintenant non plus. Et puis un papier me disant que j'étais affecté en Indochine. Claude, tu as fait un premier tour d'opération en Indochine en 1950. À cette époque-là, quelles étaient vos conditions de travail, vos conditions de vie et sur quel appareil tu travaillais Alors, j'ai <coughs> donc été affecté, euh, après un mois de bateau, euh, j'ai été affecté au GAO, au troisième GAO à Hanoï, sur euh, ce qu'on appelait le Fisler Storch à ce moment-là, avec le moteur Argus. Les moyens, de, très difficiles, parce qu'on n'avait pas, pas de quoi travailler correctement. Le hangar c'était vêtu, c'était de la terre au lieu du béton en dessous, les portes ne se fermaient pas, les avions étaient entassés, et puis l'outillage, un, un petit peu, il fallait se le partager. Quoi. Sinon, on, bon, c'était en période à peu près correcte au point de vue climat, donc... Le, le, on était logé normalement. Donc moi, je faisais ben, l'entretien des avions, les plans Et, et entre-temps, j'étais en, à la J'étais à la Hawkeye en détachement avec euh, mon pilote et mon avion. Et puis après, je suis revenu à, à Hanoï, retrouver mon troisième garrot. Comment euh, as-tu eu l'opportunité de devenir pilote euh, quelle a été ta formation Où cette formation a-t-elle eu lieu Dans quels endroits Et sur quels avions Alors une chance inouïe. Étant parti euh, à Hanoï au Troisième Gao, j'étais donc mécanicien. Est apparu après, après mon arrivée, trois semaines après mon arrivée, un message est arrivé demandant tous les volontaires, quelles que soient leurs qualification, pour être élève pilote de la première promotion NATO. Je n'ai pas tellement répondu positivement parce que je me suis dit, ben, cano, bon, et mon adjudant-chef qui s'occupait de la mécanique, semble dire, m'a inscrit. Et un mois après, il m'appelle en me disant Tu te rends à tel endroit, je ne me rappelle plus, en ville à Hanoï, pour passer l'examen. Et j'ai bon, obéi, j'ai dépassé l'examen d'élève pilote. Et entre-temps, je suis parti avec mon avion et mon pilon, donc à la Hawkaï. Et c'est arrivé là-haut que trois semaines après, je reçois un message me disant retour d'urgence à Hanoï pour retourner à Paris pour visite médicale et tests psychotechniques. Donc me voilà retourné à Hanoï, vite fait les papiers, euh, le au revoir. Et le lendemain matin, avec euh, un dakotage, je me suis reposé à Saïgon pour reprendre cinq autres camarades, futurs élèves pilotes, pour aller à Paris. Et après 55 heures de vol plus les, écales, les escales, je suis arrivé en France et à Paris. Et là, on a passé les tests psychotechniques et médicaux, pas de problème. Et là, à ce moment-là, ben, on a attendu. Euh de savoir ce qu'on allait nous faire de nous. Donc on était au moins 200, je ne me rappelle plus exactement. La répartition a été faite en trois. Il y en a une vingtaine qui ont été à Marrakech, la première école française qui commençait. Il y en a eu une... oui, je... au moins 100 qui ont été aux États-Unis. Et puis une 27 qui sont partis au Canada, dont moi. On a pris le petit train, on a pris le bateau, parce qu'il n'y avait pas d'avion à ce moment-là, et on a débarqué à New York. Et de New York, on a été à Toronto, euh, passer la centrifugeuse, parce qu'on ne l'avait pas fait en France. Et puis après, on était à London, pour apprendre l'anglais, un peu de mécanique, la formation, enfin, euh, pour nous, nous décrire le Canada. Pour qu'on sache ce qu'était le Canada, apprendre un peu d'anglais et puis différentes choses. Quoi. Et puis trois mois après, on, est, on a été affecté à l'école de Centralia, l'école de pilotage. Alors là, on est tombé, on était au deuxième escadron. On a volé sur le Harvard, qui est un dérivé du T6. La seule différence, c'est le manche, qui est la manche côte, euh, norme Spit. La couleur jaune et le pot d'échappement qui prend la chaleur du pot d'échappement pour chauffer l'avion parce que quand vous décollez le matin avec avec moins vin. Euh, <laughs> il fait pas chaud donc euh, mais alors là c'est pareil on découvre le nouveau monde les hangars c'était du béton euh, peint nettoyé les avions nettoyés les hangars climatisés alors on sortait, on, le premier tour, on se mettait dans les avions à l'intérieur, on ouvrait les portes électriques, on mettait le moteur en route, on partait. Et au retour, on, 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 l'autre équipage reprenait place, il faisait les plats et repartait. partait. Comme ça, le, il n'y avait pas de temps de perte à cause de, du froid. Quoi. Et puis, au bout de 170 heures, on a été breveté, pilote. Un macaronnage, quelque chose de splendide, formidable. D'ailleurs, 11 mois au Canada, sensationnel parce qu'on était les Français de France, les Français de l'autre bord, et on a réussi à former une promotion française, des 27. Si bien qu'on se faisait nos cours entre nous, parce que sur 27, on était 17 mécanos, donc on se faisait nos cours entre nous. Nos moniteurs étaient Canadiens-Français. Et puis, là, les dimanches et tout, on allait courir en ville à London, la ville qui était à 30 km de là, et puis très très sympathique. Et puis, on aurait dû faire la transformation chasse ou transport, mais oui. il y a eu un, un petit clac, euh, on a été obligé de rentrer en France pour la transformation. Et là, on, on est revenu, on a repris le même bateau qu'à l'aller. À l'aller, ça a été une mer épouvantable. On n'a rien mangé et on nourrissait les, les poissons. Par contre, au retour, une mer d'huile et on avait la chance, on connaissait les serveurs qui nous ont bien revenu, tout. On avait la chance d'avoir une douzaine de chercheurs qui revenaient, qui vivaient pas de vin, qui mangeaient pas de gâteau. Qui... <laughs> et au bout de six jours, on, on est arrivé à Cherbourg et puis là, direction Paris en attente, en attente de, on attendait, et puis au bout de quelques jours, on nous a demandé d'aller à Issy-les-Moulineaux, on a été, alors, on n'avait pas de, alors je me rappelle plus comment, parce qu'on n'avait pas de moyens de locomotion, on nous a dit, vous allez à Issy-les-Moulineaux, bon, arrivé à Issy-les-Moulineaux, on est tombé sur l'ancien terrain, qui existait à ce moment-là, dans des vieilles baraques, sous la pluie, on a rencontré un sergent et un caporal-chef, un gros carton dans lequel se trouvaient les insignes de pilote. Et à chacun, on nous demandait de plonger et de sortir un macaron, de donner le numéro. Et on vous disait, ben, vous êtes pilote, euh, dégagez, il n'y a plus rien à voir. C'est comme ça qu'on était breveté pilote français, après le Canada. Et puis, de là... On a été muté à Meknes pour faire la transformation chasse. On a passé la visite médicale à Rabat. On a dit Oh les gars, c'est pas la peine de voler maintenant, vous pouvez pas. Et vous allez passer 15 jours à Mazagan, beefsteak frites et gros rouges pour vous remonter. C'est ce qu'on a fait. <laughs> Splendide aussi, dans un beau truc de l'armée de l'air en bordure de mer, formidable. Et puis là, on est revenu à Meknes pour faire la transformation chasse. Alors, on a fait du BT-13, du Morane 472, 475, tout neuf, qui, qui sortait d'usine, et puis du Spit-9. Est-ce que tu peux revenir sur ta mésaventure en Spitfire à Meknes, s'il te plaît Oui, on était parti en... entre midi, on faisait une patrouille, on était... On était deux, quatre, six avions. Il y avait deux avions qui volaient en ligne droite. Il y avait deux avions qui les protégeaient. Et moi, j'étais avec une patrouille pour attaquer celui qui volait en ligne droite. C'était pour l'entraînement des cadres, pour leur brevet de chef de patrouille. Et ce jour-là, on monte dans nos avions, on vole. Et à un moment donné, il y a un équipier qui dit Oh, je n'ai plus de pétrole. Bon, et puis alors le commandant, le patron en l'ensemble a dit, testez vos, euh, vos pétroles. J'appuie sur le bouton, j'ai plus de pétrole. Et quelques minutes après, les moteurs s'arrêtent de mon camarade et de moi. Des autres, non. Mon camarade, il s'est débrouillé et tout, mais il est, il est passé sur le dos dans un champ, dans le Jebel, Alors que moi, qui avait fait du planeur, j'étais à... 10 000, 10 000 pieds, j'étais à, à 7 000 pieds, à 15 km, 10 km du terrain, j'ai réussi à ramener mon spit en vol plané comme en planeur et me poser en sens inverse de l'atterrissage mais sur la piste parce que euh, j'avais fait du planeur. Alors tout ça pourquoi C'est parce que... Le Spit avait deux réservoirs, un réservoir devant le pilote, derrière le moteur, un réservoir bas et un réservoir haut. Mais quand on appuyait sur le bouton, ça ne donnait que le réservoir d'en bas, mais pas ce qu'on avait en haut. Donc, si on n'ouvrait pas le bouchon avant, on ne pouvait pas le savoir. Or, à ce moment-là, les pilotes ne faisaient pas le tour d'avion. Ils signaient la forme, c'était le mécano qui était responsable. Alors que maintenant, pilote et mécano font le tour de l'avion avant de signer. Donc, on, les pleins, c'était les mécanos qui ont fait un échange pour aller manger, et ceux qui sont partis manger n'avaient pas fait les pleins. Et les autres n'ont pas vérifié, ils ont cru que, et puis voilà. Donc, tout ce qui était cadre travaillait moins à la, à la manette des gaz, donc moins consommé de pétrole que les deux équipiers dont j'étais, euh, voilà. Donc il s'en est sorti, il est passé sur le dos, il a gratté le sol pour sortir par la petite porte. Hein. <laughs> voilà, ben bah oui, c'est... Et puis mon décollage, ah oui, mon premier décollage en patrouille serrée avec le capitaine Rissot, un hein, ancien du Normandie-Niemen, il euh, y a la tour de contrôle qui me dit, enfin qui dit, Bleu 2, il y a votre hélice qui fume. Bleu 2, c'était moi. Et effectivement, j'avais un petit peu trop poussé sur le nez, comme l'avion Spitz, ça décollait très rapidement, j'avais pas fait attention. Et à ce moment-là, le capitaine de Brissot me dit, Bon, ben, tu as des vibrations, non, bah ben, alors tu passes en vente arrière, tu changes d'avion, et je t'attends ce ne serait plus le cas maintenant. <laughs> voilà. Et alors j'ai les reliques, j'ai le bout de de l'avion, je crois que j'ai même le numéro dessus. Mais j'ai pas pris mes lunettes, Oui, j'ai le numéro dessus. Ah oui. C'est le 23 11 51 sur le Spit D, le numéro D. Ah McTess, voilà. Le petit bout en souvenir. Breveté pilote de chasse. Enfin, oui. Avec trois camarades, on est parti à Oran pour euh, créer euh, le groupe 1-21, le gc 21 Artois, mécanique, euh, administratif, pilote, pour former le groupe. Claude, quand vous euh, créez l'Artois, on est euh, janvier 52. Et vous êtes sur P-47. Tu peux nous parler du Thunderbolt Alors nous, sommes, euh, nous avions des P-47 euh, d'entraînement uniquement puisqu'on ne faisait rien d'autre. Hein. On attendait notre départ pour l'Indochine. On attendait le bateau. <laughs> Donc euh, bah, c'était un avion... Euh, c'était le char d'assaut. Très très lourd. Euh, il fallait bien tirer sur le manche pour le décoller. Euh, et c'est un avion avec lequel j'ai jamais fait de, de boucle parce que pour moi, euh, jeune gamin, je trouvais ça beaucoup trop lourd. Je pensais que ça ne passerait pas. Enfin, voilà. Donc j'ai fait 40 heures de P-47. Euh, un, on a fait du tir euh, au sol, c'est très valable avec ces 8, oui, 8 canons. C'était vraiment impeccable, très confortable, la cabine et tout. L'atterrissage, aucun problème. Et une petite anecdote, c'est que je faisais de l'aéroclub aussi. Et au club, il y avait un avion biplan de l'ancien temps, un Luciol. Et le chef moniteur n'a jamais voulu que je fasse du solo parce qu'il me disait, toi avec ton P-47, tu arrondis à 25-30 mètres, moi c'est 30 cm. Alors j'ai fait du luciole mais avec lui. C'était à côté. Voilà, et puis après, bien une fois la période terminée, on a pris le bateau pour l'Indochine et puis un mois de bateau avec des escales, bien sûr, on est arrivé à Saigon. Et puis à Saigon, eh bien le personnel navigant, les pilotes, on a été transformé en, on est monté à Touran, en Dakota et tout le restant mécaniciens et administratifs ont pris le bateau et on s'est retrouvé après à Touran, dans des bâtiments, une base toute neuve, qui n'était pas finie d'ailleurs encore, dans des bâtiments tout neufs et tout, c'était vraiment très très bien. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. C'était tout des bidons. Alors, euh, ce, pour, pour la journée au début, c'était bien. Par contre, le soir, quand on, on était fatigué et tout, des douches, il n'y avait pas tout le temps. Et surtout, les pauvres mécanos euh, qui étaient obligés de se laver, ils n'avaient plus d'eau. C'était le seul problème. Sinon la nourriture, on mangeait la française, il n'y avait pas de. la soupe chinoise et tout, on n'a jamais connu tout ça. On a dit, ah, t'as dû manger du riz et tout. Oui, mais... Par contre le vin, c'était du vin en poudre. Hein. On mettait de l'eau, ça s'appelait, je ne sais plus, j'ai perdu le nom. Ça avait un nom spécial. Je ne sais plus. Et puis, ben voilà. Donc... Euh... Le matin, on se levait, le petit déjeuner, on allait en salle de briefing, euh, ou salle de repos pour taper le carton, discuter, faire du volleyball dehors, euh, voir les mécanos et puis attendre son tour pour voler. Quoi. On faisait sa mission, des missions qui étaient pas très longues, mais qui étaient fatigantes parce que le Birkat, là, il y avait 60 degrés à l'intérieur de la cabine. Et pris par des toubibes, hein. il y a une inspection. Hein. Parce que le pot d'échappement, il léchait les côtés du. Et les prises d'air étaient là aussi, donc ça ne nous envoyait que de l'air chaud. Donc pour un vol d'une heure, on perdait un litre à deux litres. Un kilo, je dirais, hein. Donc bon, une bonne bière en rentrant ou deux, et puis, on était bien au... Euh, Claude est-ce que tu peux nous raconter euh, comment se passait euh, l'émission et puis euh, des anecdotes sur euh, tes mésaventures ou aventures euh, en Bercat Alors pour nous, notre travail, c'était que du travail au sol. Il n'y avait pas de DCA, il n'y avait pas d'avion. Enfin, si, il y avait de la DCA, mais il n'y avait pas d'avion étranger, ennemi. Donc euh, c'était soit faire des bombardements ou du, du, du tir au canon sur des objectifs prédéterminés, des fois avec des photos ou alors en décollage sur alerte. L'armée de terre nous avait besoin de qu'on leur vienne en secours donc euh, décollage sur alerte. Alors on utilisait soit des canons, on avait quatre canons de 20, soit quatre roquettes, soit deux bidons de napalm ou soit deux bombes de 250 ou 500 kg. Voilà ce qu'on avait comme euh, donc des missions euh, qui durait une heure, une heure et demie, euh, pas plus, puisqu'on était, on avait toujours de bons résultats. Euh, j'ai eu quelques anecdotes. Euh, c'était un avion formidable. Le BR 4 c'était le summum de l'avion à hélice, surpuissant et tout, euh, formidable. Par contre, euh, un jour j'ai eu une explosion moteur, mais j'étais pas très loin du terrain. J'ai pu réussir à venir me poser sur le terrain en ayant peur que le moteur se détache tellement il vibrait et tout, euh, impossible de, de l'arrêter, et en feu en plus. Et puis d'autres fois, bah, ce qu'on appelait les vapeurs lock, comme on utilisait de l'essence à 130 degrés d'octane, vu les chaleurs et tout, on avait des, des vaporisations d'essence dans les tuyauteries si bien que par moment, pendant 2-3 secondes, le moteur n'était plus alimenté, et quand vous êtes à 2000-3000 mètres d'altitude, avec des bilans de la palme, des bombes au-dessus de la montagne, que vous cortez les pales d'hélice vous faites des cheveux, mais <laughs> à chaque fois c'est reparti. Un autre jour, euh, ben ça c'est un petit peu de ma faute, j'ai fait un, un break, un atterrissage un peu trop rapide, si bien qu'un frein, le frein droit m'a lâché, et je suis sorti de la piste et je me suis mis sur l'hélice. Et puis, alors, un jour, on nous avait demandé de. Pas très loin du terrain, enfin 100 km du terrain, il y avait un tunnel en flanc de montagne, en bas d'une montagne qui faisait à peu près 400 mètres de haut, assez vertical. Qui était alimenté par un, un petit train ancien, un petit rail, et une entrée petite, pas pour mettre une grosse locomotive. Et ça, c'était un tunnel qui faisait 3-4 km de long, où il y avait du ravitaillement, de l'armement, de l'habillement viette. On avait envoyé une ou deux patrouilles, les roquettes étaient passées à côté, et moi je suis parti avec mon commandant en seconde groupe. Et on a réussi tous les deux à mettre nos deux roquettes dans le tunnel. Si bien que trois jours après, la fumée sortait de l'autre côté encore. Et à ce moment-là, on a été... On a été... pas nommé, mais... La, Baptisé pre, euh, euh, Duc de Mincam, voilà. Le Birka, c'est un avion euh, très stable au point de vue tir. Il n'y avait pas tellement de turbulence, euh, comme partout, mais enfin... Et j'en me rappelle une anecdote, tout au début qu'on est arrivé, on cassait tous les ponts et on détruisait tout le matériel ferroviaire, les locomotives et tout, que les viettes arrivaient à cacher en faisant une dérivation de la, de la voie pour aller dans, une, dans un hangar qui construisait en bambou, mais on, on voyait encore les traces, si bien qu'on savait où était la locomotive. Mais un jour, je me rappelle, avec mes roquettes, euh, je visais des wagons, je m'étais pas aperçu que la porte du wagon numineux était ouverte et les deux roquettes sont passées. Elles ont éclaté derrière le wagon. <laughs> Pour vous dire la précision, la facilité de, de tir, euh, et les bombes, c'est pareil, on les posait. Euh, le, le plus intéressant, le moins difficile, c'était le napalm. Alors, où le napalm, on semi piqué sur un point bien précis, ou en rosemont à très grande vitesse, pour faire 100, 100, 200 mètres de flamme, alors là, ça, ça brûlait, là, c'était pas beau. Et comment tu vivais, toi, l'utilisation sur des objectifs civils de vos armements, du napalm Comment Comment tu l'as vécu Comment tu ressentais euh, le fait d'avoir de, de, à euh, détruire des objectifs où il y avait des civils et de savoir, tu délivrais de l'armement et des, du napalm, euh, est-ce que tu, tu, tu étais conscient euh... Eh bien, euh, euh, non, on n'était pas, euh, pas conscient. D'abord, on était jeunes, hein, on avait 23-24 ans, on ne pensait pas à tous ces trucs-là. C'était notre métier, on était content de voler, on était content de faire la guerre. Et on y pensait quand même, quand on était sur alerte, on savait que euh, les bifins étaient là. Et, et... Mais quand on décollait sur une mission qui avait été préparée la veille en nous disant d'un tel endroit, il y a des viettes, il y a ceci et cela, le lendemain on bombardait, on n'a pas mal la bombe, qu'est-ce qu'il y avait en dessous, on ne savait pas. Donc ça c'était un petit peu aléatoire. Mais sinon, s'il fallait casser quelque chose ou vraiment des dépôts, donc on... Et par là la... c'est pas sur le coup, mais c'est par la suite euh... En prenant de l'âge et puis en pensant à tout ça, on se dit euh, on a peut-être fait des, des choses euh, qu'on n'aurait pas dû faire. Mais c'est la guerre, on, a, on obéit et on ne peut pas faire autrement. Quoi. Et comme je dis, il y en a peut-être en haut qui m'attendent. Est-ce que tu avais des contacts avec des pilotes des autres unités, du bombardement ou du transport notamment Alors là, on avait à Tourane, on avait des B-26, des bombardiers B-26. Alors on se voyait entre pilotes, on se connaissait, j'en connaissais même un qui m'a fait faire deux, deux tours d'avion, de, très content, mais, mais sans plus. Quoi. Eux avaient leur, leur secteur, nous on avait notre secteur, on se voyait comme ça. quoi. Par contre, entre nous, ben, on était, je sais plus, une vingtaine de pilotes, on vivait en commun, bonne relation avec tout le personnel. Et donc, toi, tu étais sous-officier à l'époque euh, Est-ce que tu crois que ta condition de sous-officier faisait aussi que les contacts étaient moins faciles, peut-être que les officiers? Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans le temps, et il n'y a pas très longtemps encore, il y avait les deux côtés, sous-officiers et officiers. Nous, on en guerre, sous-officiers, on logeait sur la base, on mangeait sur la base, on ne sortait pas, et on était au courant de rien. On n'avait pas de briefing radio. Par contre, les cadres, les officiers manger, et coucher en ville, et ils avaient des réunions d'état-major pour la, la guerre. Quoi, pour euh, Nous, on ne connaissait rien du tout. On y disait, tu vas bombarder là, tu en allait bombarder là, on revenait, on buvait la bière, et puis, ou casse croûte et puis, et sans plus. quoi. On n'était pas averti du problème de la guerre, on ne savait pas du tout. Et comme on était à Touran, on ne savait pas ce que les gens faisaient à Hanoï ou à Saigon. Il n'y a que quand on se déplaçait, qu'on contact, Et encore, chaque escadron était séparé. Donc, on n'avait pas beaucoup de contacts, sauf au mess. Le midi ou le soir, on avait. Le restant, on était chacun de notre côté. Euh... Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone. Donc, on... on se connaissait, nous, le groupe, et puis c'est tout, quoi. Est-ce que tu vois d'autres anecdotes on pas... dont on n'aurait pas parlé ou... Alors, tu vois un truc, c'est en dehors, mais mm. quand j'étais mécano à Hanoï, on n'avait pas de pièce de rechange, on l'avait rien, c'était le foutoir. Il euh, y, y a un gars qui est revenu avec euh, un bout d'hélice en moins, alors je ne sais pas si c'était une, une balle ou si, je ne sais pas. Mmh. Ben, j'ai démonté l'hélice, j'ai pris les dimensions, et puis j'ai scié l'autre, et puis j il a volé comme ça, ça volait bien. Mais il n'y avait pas d'hélice, ça... on n'avait pas de change. Tu vois, des trucs qui reviennent comme ça. Il y avait, tu vois... Il y a quand même une différence de moyens, visiblement, entre euh, le premier tour, ton premier tour d'opération, et puis le second, parce que le second sur vos Berkat, il y avait de la pièce. Ah oui, là, c'était tout, ah, ben, tout américain. Hein. Donc, les on groupes était de quand même. Shoot était MDAP. Euh... Entre les deux, on était quand même passé. Euh, je pense c'était perceptible. Le, le, euh, l'octroi de moyens qui était lié avec les USA derrière parce que côté tes ces jours on est passé la la Tourane toute neuve hein. c'était la base était toute neuve on est passé dans la guerre froide entre les deux et, et les Berkades quand même vous aviez de la pièce de, de rechange ah oui oui il, y a, il y a, là il y avait tout ce qu'il fallait là. là on était on était servi par les ricains, là. à quel moment s'est terminé ton donc, ton deuxième tour d'opération en, en Indochine et dans quelles conditions alors euh... C'est une période... C'est la meilleure période de ma carrière de, de pilote. La période d'Indochine. Comme pilote, je parle. Et... j'étais si bien, ça m'intéressait tellement que j'ai pris trois mois supplémentaires. J'aurais voulu faire six mois, mais on me l'a refusé, on m'a donné trois mois. Si j'avais fait six mois, j'aurais fait Dien Bien Phu, mais je ne l'ai pas fait. Donc, euh, j'ai fait six mois, euh, trois mois de plus, ben, J'ai fait 480 heures de, de Birkat, dont je ne sais plus combien de missions de guerre. J'ai été troué, touché trois fois. J'ai perdu un équipier qui a été fait prisonnier. Mais pour moi, avec l'avion et tout, c'était formidable. C'est une période sensationnelle. Surtout que... Quand tu es rentré en France, donc. Euh... À quel endroit ou dans quelle fonction tu as été affecté Tu étais sur euh, quels avions euh, cette... Donc, euh, le jour est venu avec euh, mon mécano, mon frère d'armes, là, que j'ai toujours en, en vue et tout. Euh, on a pris le bateau. Un bateau, c'était des bateaux civils qui passaient à Saïgon et qui prenaient des militaires. On est revenu sur le Scobrin, un avion civil. Alors là, on a fait euh, 28 jours de mer, mais formidable, quoi. Là, on a débarqué à Marseille, et puis de là, on est, on est retourné à Paris pour, pour être démobilisé, si on veut, et pour être affecté. Et là, j'ai été affecté à Cambrai, à la 12e escadre de chasse qui se crée, et j'étais à la création du 12, l'escadron 12 Picardie, sur-ouragan, les premiers réacteurs français. Pas grand-chose, mais enfin, c'était quand même les premiers réacteurs. Donc, je découvrais la réaction n'ayant jamais fait de réacteur. J'étais obligé, théoriquement, j'aurais dû faire une transformation. Mais le colonel Andrieux, qui commandait la, la base, m'a dit, alors pour la petite anecdote, euh, tu m'embêtes, je ne sais pas quoi faire de toi, mais je vais prendre vite fait la, la décision. Est-ce que tu as fait du P-47 Oui, mon colonel. Eh L'ouragan, c'est un P47 sans hélice. Alors, je téléphone à Tocant dans l'escadrille et go J'étais le premier venant d'Indochine sans avoir fait d'hélice à être lâché sur un réacteur. Donc, après, après avoir touché les ouragans, on a eu les Mystères 4A. En 1958, j'ai été désigné pour aller en, en Algérie une année. Je suis parti à Orléansville à la 1072 sur avion sur les T6. Les petits avions américains, euh, rien à voir avec les Bircades d'Anochine. Ça avait des 7-5 des comme mitraillettes, ça s'enrayait. Et puis c'était pas du tout la même guerre. On voyait pas... Nos missions, c'était d'aider les, 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 les troupes au sol leur apporter un petit soutien et tout on a, on bombardait pas on faisait que du tir à la mitraillette quoi et puis de, de l'observation et là on volait comme c'est des avions bi place, on volait avec un navigateur et là où j'étais à voler en ville on avait des navigateurs qui venaient de Tours de la, de la 30e escadre de chasse et des pilotes qui venaient de Creil, on était mélangés là donc j'ai fait un an euh, j'ai fait 500 heures de T6. Je n'ai pas été touché, rien du tout. Et de là, je suis rentré à Cambrai, où j'ai été affecté au 312 sur Super Mystère, donc notre premier avion supersonique en palier avec la potion combustion Nommé sous-lieutenant, j'ai attendu un petit moment, une année, et après, je suis parti, étant donné les problèmes de santé de mon second fils. Ne pouvant plus être opérationnel, j'ai demandé à devenir à l'école de chasse ici à Tours. Donc j'ai été affecté à, à l'école de chasse de Tours. Et là j'ai fait ma transformation en moniteur. Et très rapidement, j'ai été affecté à l'escadron qui forme les moniteurs, qui fait passer les tests et tout. J'ai été affecté comme chef moniteur-testeur. Et comme commandant d'escadrille avec euh, deux galons, c'est-à-dire lieutenant. Et là, bah, je faisais passer des tests, euh, je faisais des vols de contrôle, des vols aux instruments, je faisais de la place arrière derrière des colonels qui venaient, des gens qui venaient du ministère de l'air et qui voulaient voler, faire leurs 35 heures, comme on disait à ce moment-là. Et puis, est arrivé le moment où j'ai pris une section d'expérimentation pour transformer... Des... On avait deux types de T-33. On avait un T-33 canadien avec un Nile et un T-33 américain avec... Je euh, ne plus. Donc c'était deux mêmes avions avec deux moteurs différents. Mais des moteurs euh, américains, on n'en avait plus, donc très cher à racheter. Par contre, des Niles, on en avait beaucoup venant des vampires, des ouragans. Donc, l'état-major a décidé, avec les deux cellules à peu près identiques, de ne mettre que le même moteur. Donc, les travaux, les études ont été faites à la Sferma à Bordeaux, une usine, une... et ils ont sorti deux maquettes, et que j'ai été chercher. Et moi, j'étais le responsable de la section expérimentation. J'avais un copilote, j'avais cinq mécanos, un officier mécano. Et pendant quatre ans, eh ben, j'ai fait. Le... J'ai eu les deux maquettes pour étudier. Après, présent sorti la maquette, donc il a fallu faire tous les essais euh, euh, d'utilisation, euh, faire euh, les extensions rallumage. Donc j'allais à Istres sur la grande piste pour ça. Un contrôleur d'accélération qui a fallu essayer et faire toute la documentation. Pilote normal et secours. La mécanique était en faite par la Sferma. Et puis au bout de quatre ans, euh, la chaîne a commencé à sortir. Donc j'ai formé quelques pilotes des escadrons d'école. Et là, je me retrouvais. La section était dissoute. Je me suis retrouvé comme second au groupe de Mister Catra sur les monoplaces pendant deux ans. Et après, j'ai pris la tête de, de l'escadron. Et puis après, il y a eu la dissolution de l'escadron. Donc, j'ai fermé l'escadron. Et là, pas loin de la retraite, je suis resté au GE avec quelques fonctions supérieures. Mais je continue à voler sur T33 et sur Dassault, où j'ai fait 700 heures de Dassault, plus du broussard. Très heureux, très heureux. Toujours crevard. Je reviens sur ton, ton travail sur les modifications du T-33. Je crois que tu as travaillé dur pour euh, changer les planches de bord de, de voilà, cet alors, avion. On avait deux, donc, deux types de T-33. On avait 12 cabines différentes. Et dans tous les avions, la planche de bord devant et celle d'arrière n'était pas identique Donc le problème entre élèves et moniteur. Plus il y avait des circuits électriques, on appuyait sur le bouton, il y avait un bidon qui tombait. C'était pas sérieux du tout. Donc j'ai été chargé de refaire les deux cabines identiques et à la française. Tous les instruments français et identiques. Avec un petit tableau de panne que j'avais demandé, qui a été fait par une industrie. Donc il fallait le tester aussi. Les petites plaquettes normal secours sur le côté de la verrière. Et puis le tableau avec tout, tout marqué en, en français bien sûr et puis donc euh, et puis le, le bouquin d'utilisation quoi ça c'était mon travail et là j'ai fait euh, j'ai fait 800 heures de, de t33 de maquettes et de de premières enfin de bâtard et de maquettes quoi j'ai fait des je faisais beaucoup de navigation pour calculer les consommations aux, aux différentes altitudes euh, donc, c'était formidable. J'avais cinq mécanos qui étaient très, très bons. Voilà. Tu as piloté une quantité d'avions assez impressionnante dans ta carrière, mais si tu devais en retenir un, lequel ce serait J'ai bien ma petite idée. Incontestablement, le Birkat. Le Grumman F-8F Birkat. L'avion du siècle, le summum de l'avion hélice, 2850 chevaux. Avec l'injection d'eau, mais comme on ne l'avait pas, on faisait 2500 chevaux quand même, avec une hélice de 4 mètres de diamètre. Et en, sans armement, en 400 mètres, il était en l'air. Et il battait la, la vitesse jusqu'à 25 000 pieds, il battait les météores et les vampires, donc deux réacteurs à ce moment-là. C'est lui qui battait le record du monde de vitesse en montée et je l'ai mené en léger piqué jusqu'à 740 km h C'était un avion formidable. Difficile du fait de sa vitesse, de sa puissance, délicat au décollage, et surtout à l'atterrissage, il est très court de fuselage, et celui qui oubliait de verrouiller la roulette de queue, ben il ne faisait pas 200 mètres, hein, parce qu'il était dans l'herbe tout de suite. Sinon, euh, c'est... Sauf les 60 degrés de température à l'intérieur. Alors, on arrivait quand même à ouvrir un petit peu la verrière. Elle est électrique, mais comme l'air chaud et on n'avait pas de gants, on n'avait pas de matériel, on n'était pas habillé. Si on n'avait pas de gants qu'on s'achetait dans le civil, en tenant la manette des gaz, si la main touchait la paroi, de, on avait les brûlures sur la paume, euh, sur la main. Et en plus. On n'avait pas, pas de chaussures. Moi, j'ai acheté des, des chaussures avec, euh, avec des semelles crêpes. Mmh. Eh bien, les deux barres de palonniers étaient incrustées dans les semelles. Ça faisait fondre les... <laughs> Pour vous dire la chaleur du... <laughs> Et c'était des avions, le seul problème, c'est qu'ils consommaient énormément d'huile. Et un avion tout neuf, et tout, au bout de 5 ou 6 heures, il était noir jusqu'en haut de la queue. Toutes les, on le voit très bien, celui français qu'on avait, c'était pareil. Si bien qu'avec les pauvres combinaisons qu'on avait, blanches ou moitié, elles étaient blanches, mais au bout de 3 vols, elles étaient noires. Le fait de monter dans l'avion... <laughs> voilà. Alors oui, ils consommaient... Ils sont... Ils, normalement... On en avait un qui consommait 40 litres à l'heure d'huile. C'était effroyable. Alors on, on l'utilisait uniquement pour des petites missions. Sinon, c'était 15-20 litres à l'heure d'huile. C'était un, un moteur qui s'usait parce que, comme il était fait, comme l'avion était fait pour être dans la marine sur porte-avions, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de poussière. Alors que nous, quand on était en dehors du terrain bétonné, sur les petits terrains où on décollait à 20-30 secondes, pour sortir du nuage de poussière, n'ayant pas de filtre au carburateur, tout ça, ça abîmait l'intérieur les... des. Ça passait d'atoll la dans les cylindres. Voilà. Claude, vraiment merci de nous avoir reçus chez toi. Ton parcours est complètement atypique et exceptionnel. C'est toi qui le dis que ça serait plus transposable aujourd'hui, mais je pense réellement que tu restes un exemple pour la jeunesse auquel s'adressent aussi nos vidéos. Merci beaucoup.